On avait évidemment renoncé très largement à cela après la fin de l'Union soviétique, avec tous ces mythes sur le marché qui était censé devoir tout résoudre et qui en fait n'a fait que renforcer les puissants et les riches aux dépens des pauvres et des faibles. Et donc on a cessé de parler de ce droit au développement, mais il reste quand même fondamentalement inscrit dans les valeurs des Nations Unies. Aujourd'hui, l'Algérie n'hésite plus à s'affirmer. Aujourd'hui, on voit un retour de l'Algérie en tant que puissance arabe, africaine, des pays du Sud. C'est quelque chose qui va au-devant des revendications de la plupart des peuples du monde. Et ces peuples voient dans l'Algérie, si je peux dire, leur avocat pour un autre monde, de son rôle, en raison aussi de son potentiel, vu le potentiel économique et aussi géostratégique de l'Algérie. Tout ça, ce sont des atouts incontestables.